Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 2 Total War avec Katox et Katox. Ah oui. Et du coup, c'était à ton tour de jouer. Et à ton tour, c'est ça. Ouais, et je disais qu'il allait avoir du sang et des larmes. Et moi je parlais, je crois, de Queen Manskaven, mais je ne suis pas sûr qu'il y en aura, j'entends. Ouais, en théorie, ça devrait aller. De rien, il arrive à maintenir l'ordre public, hein. Il est assiégé depuis 10 tours, il a de la corruption chaotique et tout, et... Je parle pas de Sudenberg. Ah, tu vas attaquer quelqu'un d'autre? Ah oui, t'es arrivé à Numas, le Khemri a fait demi-tour. Hein. Ah je oui, suis surpris, ça oui. Va... Ça va être intéressant. Ça déconne pas, hein. Il y a du charognard, chevalier nécropole, les Ushtabi, une petite catapulte. Putain, pourtant, elle a pas l'air si fifole son armée. Bah, il y a quand même pas mal de héros. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est les héros qui vont jouer. Ouais. T'as trois rois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les héros sont. Plutôt déterminants. Enfin bon, après, hein, un petit peu de lance-flamme de sur la tronche et. Oui, c'est ça. Il va falloir. Alors, malin. Va falloir bien jouer ça. Oh, ça a l'air d'être la map avec le. Une espèce de petite dune en plein milieu. Bah, je te confirme, il y a une. Pas si petite dune en plein milieu. Truc super chiant. Bon, ça dit qu'on commence sur la dune. Ouais, mais eux peuvent commencer là aussi, quoi. Bah, avec ton déploiement d'avant-garde, tu peux la prendre direct, quoi. Enfin, la tenir un peu éventuellement, mais. Ouais, mais c'est... Oublie pas que le mec en face, il est tout seul, hein. C'est que les renforts qui arrivent derrière. Hein. Non, c'est pas faux. T'as largement le temps de prendre la dune. Tu fous tes foreuses en haut au cas où il fait son malin et puis. Tu peux même lui mettre un piège sismique pour l'empêcher de se déplacer et qu'il reste en bas. Pas sûr que j'arriverai à l'attraper quand même. Hein. Bah si, c'est 40 mètres la portée de la compétence. Tiens, je te donne ce flanc là. Alors... Ah, j'ai la... Non, j'ai le Raogre, c'est pas celle-là. Là. J'ai deux ratasphères et un Raogre géant. Ok. Alors, quel sera mon rôle, général? Bah, pour l'instant, rester sur le côté. Et puis, en fonction de ce qui vient, déborder. Flanquer, charger dans le dos, quoi. Tout ça, au global. Classique, mais pour autant efficace. Eh bien, écoute, très très bien. Ouais, ok, avancez doucement tout en restant coincé, caché un peu derrière la colline. Ah, ils ont un bonus de morale pour leur position de supériorité, tiens. C'est cool ça. C'est normal qu'Hercule t'es foreuse. Oui. Ok. Moi je lui aurais mis un mal séisme tant que tes trucs arrivent dessus et puis je me serais barré. Enfin, je l'aurais laissé là quoi. Bim! Let's kill! Le gros tas de squelettes qui arrive. Aïe aïe aïe. Ouais, tu vas largement prendre position avant qu'il ait fait quoi que ce soit. Oui, je pense. Même ta catapulte va être en haut, quoi. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Elle est où la sienne? Elle est toute là-bas, ouais, elle est un peu loin. Il y a du mauvais côté si je veux la choper avec des ratasphères. Il se fait dépouiller le héros, hein, pour le coup. Ah, oh, mais c'est deux unités spéciales. Ouais, je sais. Ouais. Alors, les charognards passent par la droite. Ah, ça y est, il est déjà en effondrement.
Oui. C'est normal. Vos guerriers fuient. Ah oui, d'accord, tu leur as fait un truc sur la tronche, je me disais, mais pourquoi je me disais, mais c'est quoi qu'à cette portée? Mais oui, c'est la fusée Malpeste. Oui. Carrément, quoi, tu. Tu t'es dit que ça valait le coup de claquer ça. Ah, il a généré un truc lui aussi. Ah, par contre, les catapultes, elles sont toujours. Ouais, puis je peux pas vraiment charger avec les. Ah, on dirait que tu les as légèrement ratés les catapultes, hein, parce qu'il y en a encore 3. Oh, il ne reste rien, tant pis. Et puis les Ushtabi, bon, il les a popés dans tes clans de race, donc c'est un peu dommage. Il faudra que tu fasses le tour avec la ratasphère. Ouais, je vais commencer à. Qu'est-ce qu'il traîne hein. Mais qu'est-ce qu'il fout aller chercher sur son arrière. Les charognards, t'as pu les gérer? Je les vois plus. Ils se sont fait dépouiller. Ouais, ils sont partis. Ouais, ils sont en train de revenir, mais ils vont crever assez vite. Eh bah vache, ils tracent les Ushtabi là. Ah ouais, ça va super vite hein. Eh mais cours toi, qu'est-ce que tu fais? Ah putain. Bah oui. Bah oui, vous êtes con. Je confirme. Les mecs ils y vont en marchant quoi. Bon, la catapulte elle s'effondre sans mon aide en fait. Tant mieux. On va pouvoir aller recharger à l'arrière de leurs archers à squelettes tout bien. Mais putain, ça va vraiment vite, hein, j'aurais pas cru. Ok, c'est fini pour la catapulte. Je vais faire un peu de diversion sur ces archers là. Par contre, ces ratasphères là sont complètement connes, je ne vois pas d'autres mots. C'est quoi ce petit symbole là? Merde, si on était chopé du coup. Allez, en avant. Visiblement, il prend les ratasphères pour une sacrée menace, hein. Il envoie son héros dessus, unité du Ushtabi, les gardiens des tombes. Voilà, par contre la petite charge du Raogre à l'arrière des lanciers, ça a bien fait le taf. Genre menace élevée, sérieux quoi. Ok, ça c'est fait. On va essayer de te soulager un petit peu les arrières. Oula, t'as lancé le masse flamme, on va pas aller par là. Bon, les ratosphères sont pas vraiment faits pour ça, mais on va protéger un petit peu les mitrailleuses Rattling d'autant qu'elles fassent le taf. Ils ont fait le taf. C'est vraiment de l'anti-héros ce truc, c'est. La vache quoi. Attention là, ils sont en train de charger vers des Ushtabi là. Ouais, mais pourquoi il bouge? Oh là là. La victoire est acquise, je pense.
Elion de Morkistar qui est en train de se faire les Garnades tombent tout seul. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Dégagez-vous, vous avez fait le taf. Et qu'on n'a pas trop été voir du coup les unités des Khemri. Ils sont quand même assez classe. Hein. Les... J'aime beaucoup leur cavalerie sur serpent là. Voilà, c'est... Il reste plus que les héros. Putain, tes unités qui sont toutes en déchaînement. Ah, c'était une comp ennemie, j'ai cru voir. C'est de justesse. Hein. Ouais, 587 morts. Hein. Bon, en face, l'avantage c'est qu'au moins il reste jamais rien. Hein. Avec ouais, les fonds après, de remords... c'est leur force aussi, c'est que t'es quasiment obligé de les coucher, quoi. Ah ouais, puis c'est vrai que ton héros il est pas passé loin de la défaite, hein, la vache. Non, non, c'est, je gardais bien à l'œil le combat avec le héros et j'étais alors, oh là là, oh là là. Il se fait dépouiller. Ah, c'est ouais. Pas du tout un héros corps à corps, hein, ça se voit. Ah, il est pas fait pour ça, même avec sa roue. Contre les Jezels qui ont rien fait. Ils étaient là. Ils ont fait de la présence. Ah, il devait avoir un bout de la dune qui bloquait, une connerie du genre. La catapulte, hein, qui par contre s'est bien fait plaisir du haut de sa colline. Ouais, ça, celle-là. Oh bah c'est propre. Faction décruite, Numas. Voilà. Moi, au niveau de l'Arabie, je suis nickel. Ah oh non, il te reste une Denbourg. Ouais, là, prochain tour quoi. Prochain tour, parce que je pense qu'ils... Je sais pas quand c'est quand ils vont commencer à avoir de l'attrition. Je crois que c'était dans 7 tours, hein. C'était marqué. 7 tours. Mais je sais pas si c'est dans 7 tours l'attrition ou... Ah non, c'est tour restant non. Avant la reddition, ouais. Mais c'est pas impossible qu'ils aient pas d'attrition avant, parce que... Avec le port, tu crois que... Vu qu'il y a le port... Ouais. Normalement, ça doit te le mettre dans l'écran de siège. All right. Ah bah, tour restant, avant que ça accorde provision 1. Ah bon, bah voilà. Ça va commencer à s'améliorer, alors. Et voilà. Du coup, allons vers ce fameux tour. Ah mais putain, il a embauché à l'Ariel, quoi. Elle va me faire chier jusqu'au bout. Elle a niveau combien? 11. Et, ah, elle a un autre spécialiste de mêlée, mais on peut pas voir son niveau. On va tourner en rond sur cette foutue map. Ouais. On va essayer de la faire. En vrai, y'a moyen, non? Ouais, il a des gardes maritimes, donc ça fait un peu chier. Ça va jouer sur le héros, hein, encore, je pense. Ouais, je crois que c'est encore c'est parce qu'il y a à l'Ariel. Tu vas encore avoir une fin de bataille avec un héros tout seul. Ouais, bah elle est pas faite pour combattre au corps à corps, contrairement à Tyrion. Elle a quelques objets violets quand même, mais... Puis on a un héros, nous. Bon, c'est un grand chef gobelin, mais on a quand même un héros. Il va falloir le préserver, hein, parce que s'il tombe... Ouais, s'il tombe, ça va être la merde. On est d'accord. Mais je pense qu'il pourrait... Enfin, elle est level 11 à l'Ariel, tu me diras. Donc peut-être pas tenir la distance avec l'Ariel, mais... Elle est pas censée, une fois qu'elle a pu l'épée de Ken, elle est pas vraiment censée combattre au corps à corps non plus. Quoi. En théorie. Qu'est-ce que c'est que cette map? C'est un peu de la merde, non? C'est un peu de la merde cette map pour nous là. Je tiens à le dire. Ah ouais, c'est ça, on est placé là, c'est vraiment de la merde. Ouais, ouais d'accord. On est pas top top. Bon ça va, ils ont une position... Ils vont devoir avancer. Bah l'idéal ce serait faire à la napoléonienne quoi. Une grande ligne. Et puis tu les entoures. Genre voilà. On se mettrait genre par ici là.
Alors tu vois, ça tu mets tout en grande ligne, t'attends qu'ils amènent le contact. Je vais faire le tour avec les gobelins pour faire bonjour sur les arrières. Mais est-ce qu'il y a un endroit où je peux me planquer? Ils ont pas de cavalerie, hein. Même leur héros est à pied, ok. J'ai même pas d'endroit où je peux me... Ah, peut-être dans le fond, là. Je peux me permettre de mettre les archers devant, du coup. Les gardes maritimes, c'est 165 de portée, et nous on est à 140, putain, et 115. Alors, est-ce que je vais les mettre... Il est où le grand chef d'ailleurs? Il est là. On va le reculer un peu, hein, histoire qu'il se fasse pas allumer direct. Puissance des armes 360 face à l'autre en face, 154. Ah, ça doit être un niveau 1 le combattant en face parce qu'il est plutôt. Il est kiff-kiff. Donaz. Bah, il est kiff-kiff quoi. Même puissance des armes. La même jauge de vie à quelque chose près. C'est quoi, c'est un chaman ou un... Ah non, c'est un grand chef. Non, c'est un spécialiste de mêlée. Bon, ça reste un gobelin, hein. Par rapport à l'autre qui a une vraie armure, un commandement de fou et compagnie, c'est pas non plus la teuf. Mais... Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'il va faire le teuf pour donner du moral aux gens. Oui. En vrai, je pense qu'il y a moyen. C'est ouais, juste à l'Ariel qui va être très très ennuyante, quoi. À l'Ariel, elle est pas à cheval, hein, donc cette fois les flèches explosives vont pouvoir la calmer un peu, je pense. Ouais. Ouais. Bon, le ça plus devrait chiant, aller. Je pense que ça va être les gardes maritimes encore. Ouais. Ouais, c'est encore bon pour que toi? je vais les faire normalement courir. Ouais, y a moyen que on sait que les loups ils galèrent un peu au corps à corps contre eux, mais si t'arrives à les faire courir, à les neutraliser, ça peut le faire. Je vais laisser mes archers devant. Oui, t'avances ta ligne. De toute façon, ils vont commencer à tirer largement avant, mais... Ouais. Après, ils vont peut-être vouloir aller chercher le héros aussi. Mm-hmm. Là, ils sont à portée, ils continuent d'avancer. Ils continuent d'avancer, ils vont rentrer à ma portée. Ah, ça arrête tout juste. Ça donne presque envie d'avancer un peu, tiens. Ouais. Je crois que par contre là tu vas vers au devant de problème pour perdre tous tes archers. Mais non. Les flèches. Ils ont vu apparaître tes cavaliers, là ils sont en mode Ah, tant mieux, s'il y en a un qui se passe sur le côté, tu peux l'attraper par le côté, c'est tout bon. Yep. Ou alors ne pas l'attraper. Mais... Je suis, on va voir. Ça y est. Tirez donc sur ça, vous. Et là, il va être temps de commencer à sniper un petit peu à l'arrière. Ah, ils font le taf quand même les archers orcs, hein. Ils sont pas très précis mais avec le nombre... Ouais voilà, l'Ariel elle va commencer à savoir quoi foutre là. Bon, ils t'ont fait fuir mais ils sont en fuite aussi. C'est le point. Là, tu peux les défaire sur les gardes de l'auteur, normalement ils vont craquer. Là. C'est le héros noble hein, qui fait chier, ça, il n'y a pas de miracle. C'est bon, les deux gardes maritimes sont ah, en fuite. Ensuite, vous pouvez plutôt venir ici. Je m'occupe des fuyards pour éviter que se reforment un peu plus loin. Ok, là c'est la fuite. On va en profiter pour les choper dans le dos.
Parce que le petit connard de noble là. C'est le noble, hein. Il a pris zéro dégâts encore. Hein. Putain. Bon, l'avantage aussi, c'est qu'à l'arrière, elle n'arrive pas à lancer un seul sort. Ben, si, elle a réussi à lancer un sort, ça y est. Elle a lancé des soins sur cette troupe. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ça n'a pas été très. N'a pas été des plus efficaces. Quoi. Voilà, on va dire que c'est pas. Elle est en train d'essayer de me lancer un autre sort sur mes gobelins, mais j'ai l'impression qu'elle arrive pas. De pouvoir changer de cible, les autres gardes de la terre, ils vont partir en fuite. Voilà, hop, je les accroche. Ok, ça y est, les lanciers partent en fuite, on va aller se faire le noble, là, son moral est en train de s'écrouler. On va tout mettre sur Alariel. Tous nos archers sur sa tronche. Ok, le noble est en fuite également. On va laisser un peu d'unité courir dessus. Et l'Ariel, bah. On va apprendre à aimer les flèches. Ouais. Ah bah voilà, elle est partie. La vache quoi. On va continuer de lui tirer un peu dessus parce que si on pouvait la foutre KO, ça serait peut-être pas un mal. Ah oui. Si tu peux coucher cette armée, vas-y, parce que normalement, avec ce qui va rester ici. Là, vous voulez pas tirer sur ça, s'il vous plaît? Merci. Je m'occupe des 22 lanciers qui se cassent. Attention, tu passes dans la zone, ça va, les copains vont pas tirer juste à ce moment-là. J'ai étudié le timing. C'est je fou. Vois, je vois. Il en reste 4. Il y a 19. Voilà. Oh l'Ariel, t'enfuis pas. Tout va bien. Oh ce nuage de fumée quoi. Non, c'est... tu la vois plus. Ouais, et on voit les archers orcs qui savent plus où viser. Hein. Les flèches partent partout sauf sur sa tronche quoi. Je vais essayer de passer les orques derrière, comme ça peut-être pouvoir faire demi-tour. Merde, ça y est, les gobelins sont obligés de courir. Ils vont galérer. Je vais l'accrocher. Non, t'es plus efficace que hein. Les dégâts que tu lui as fait en juste un passage. Je crois que tu devrais, on devrait l'accrocher au corps à corps et juste garder tout au corps à corps. Ouais. Les flèches calmées. De toute façon, il y a peut-être quoi, le héros qui a dû réussir à arriver au bord de la map. Bah, ah il est toujours en train de se faire taper. Il peut pas sortir. Il y a un bâtiment qui l'empêche de passer. Excellent. Bah du coup, il va se faire défoncer. Ah, pour le reste, il peut passer en vitesse 3, je pense que. Ouais, j'oublie toujours parce que j'aime bien regarder les animations. Là, l'arrière elle prend beaucoup plus de dégâts au corps à corps. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, les gobelins, on le sait, hein, ils font pas grand chose au final. Ils bousculent et tout, mais il faut du temps avant qu'ils fassent des dégâts. Allez là! Ah, le héros il a réussi à se dégager, il est en train de partir de l'autre côté. Bon, il se fait quand même choper. L'autre, j'ai envoyé des chevaucheurs de loup sur lui. Essayer d'immobiliser un petit peu. Allez, à l'arrière, c'est fini là. Il y aurait 119 PV, 72, 22, terminé. Le héros, 200. Voilà, c'est fait accrocher. Voilà, parfait. Une bonne chose de faite. Il reste 9. Là, pour le coup, on leur a roulé dessus. Hein. Ouais, bah les orques costauds, ça fait le taf hein, quand même. Ouais. Ouais, là ils ont bien géré deux unités de lanciers, et derrière ils ont été libérés pour aller charger un peu dans le dos des gens. Et... on voit bien
les gobelins qui se sont concentrés sur, sur Alariel qui ont fait 13 morts et ceux qui se sont concentrés sur les gardes maritimes qui ont fait 84. Allez, tiens, Yaten, ça t'apprendra. Na. Na. Faire ton malin. Croire que t'allais pouvoir faire le tour comme moi je le fais. Je pensais pas qu'il aurait une économie pour ressortir autant d'armées aussi vite quand même. Ça reste l'IA. Oui, c'est vrai que ça reste l'IA. Est-ce qu'il y a besoin d'une économie? Ivresse, puissance économique très faible, ça y est, il va commencer à pleurer sa maman. Ah, le Reckland, quelle économie qui commence à chambranler un peu. On va dire ça comme ça. Tyrannoc qui fait des trucs, ok. Le royaume des dunes. Étant contacté? Ah oui, on est en train de faire des alliances avec tout le monde. Oh bah c'est une manière de sécuriser. Ah oui, je suis d'accord. J'aimerais bien faire pareil avec les elfes noirs là, mais... Parce que ça va être le seul truc qui va rester dans mon dos et qui va faire chier. Mais j'y crois pas trop. Même le pacte de non-agression avec Morati, ça me paraît plutôt compromis. Bon, alors maintenant, je peux me déplacer là. Non mais oh, pas bien les conneries. Hein, voilà, vous pouvez essayer de recruter si vous voulez, mais je vous défonce quand même. C'est marrant, même sa garnison est encore en... Ah mais oui, parce qu'il a confédéré, quand tu confédères, tu commences avec des garnisons pas au top. Il a pas eu le temps de la refaire. Told you we'd win, boys. Death holds no fear. Il reste combien? 6 tours hein. On n'est pas à portée, il va nous falloir encore 2 tours pour aller chercher Thor. Ouais, ça va le faire. Ça va largement le faire, on va pas laisser de trucs derrière nous. Il reste quoi? Une ville? Ouais, une ville. Une ville, ouais, mais c'est la ville de la WAG, donc faut la prendre. Ah oui. Faut la prendre assez vite, on va dire. Alors ici, il faut qu'on vienne jusque là. Qu'est-ce que ça donne? Si je fais ça, j'arrive jusqu'à 7 et les elfes, mais je peux pas me mettre en mode souterrain, pourquoi? Parce que je suis en garnison. Ah putain, les relous. Alors on va se mettre en marche forcée. Ah non, stop, stop! Mais déjà, alors je sais pas pourquoi tu fais tout le tour. Ah mais parce qu'il y a une armée sur le chemin. Du coup, tu t'es dit, tiens, si on faisait tout le tour. Bien, si pour une fois on mettait l'armée de côté, et si on arrêtait un peu cette violence? Voilà, ce franchement, toute cette envie de taper sur des gens tout le temps là, comme ça. Du coup, s'il attaque c'était les elfes, franchement, je suis pas inquiet. S'il attaque en guerrière, par contre, ça fait chier. Donc on va se concentrer sur l'armée elfe. Il me faut combien pour me mettre en embuscade déjà? 25 je crois, si je le mets ici par exemple. Allez, on va se mettre en embuscade, comme ça si jamais il passe on s'en débarrassera de lui vite fait. Faut qu'on aille buter ce foutu torque là. Il a mis fin au pacte de non-agression, à mon avis il va pas tarder à vouloir faire chier. Oui. Alors ici, est-ce qu'on a de quoi attaquer cette porte, je suis pas sûr. Ah si, ça passe. Ça passe, ça passe. On va perdre quelques troupes, mais... Ah, ils ont des unités de garde des portes, la classe. Ok,
Qu'est-ce qu'on a perdu? Que dalle. Ça garde des portes. Ah ouais. Unité spécifique. On dirait un rework de Lauterne. Les gardes de Lauterne. Ouais, les gardes de Lauterne en archer, vraiment archer quoi. T'as quoi toi comme truc? T'as rien? Peut-être prendre quelques bonus, tiens. Ça par exemple. Ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, un petit pilleur. Voilà. Pareil, t'as pas d'armes, t'as pas d'armure. On va quand même peut-être te mettre de quoi combattre un peu, tu m'étonnes que tu galères. Mon pauvre bichon. Voilà, porte de la licorne, level 4 déjà. On a carrément des orques noirs pour défendre si on veut. Et alors on m'a confirmé d'ailleurs dans les commentaires, bon bah du coup j'ai encore fait un auto donc on saura pas, mais que normalement il est censé y avoir des murs hein, dans les portes. Donc soit c'est un bug du mode, soit c'est quelque chose qui a été modifié exprès dans le mode, difficile à dire. Peut-être je sais même pas si c'est le mode rajoute pas les portes. Les portes sont dans le jeu, mais je me demande si c'est pas justement fait exprès pour donner de la difficulté, pour éviter que tu puisses arriver avec déjà du matériel de siège. Je pense. Bah, en tout cas, dans le Vanilla, il y a des murs. Ça, c'est acquis. Dommage, je peux pas arriver à portée de pillage, mais tant pis. Ici, il y a de quoi l'armée. C'est un peu remise. Ouais, ça va, encore un tour. Un tour parce qu'on est des gens bien. Lui il passe devant, rat de gâche. Ici on est bientôt arrivé. Hop, on va aller aider Snarkchick. On va regarder un peu le stuff de Snarkchick d'ailleurs. Il est pas si développé que ça. De quoi? Il est pas si développé que ça. Non, pour l'instant il a. Bon, il a quand même une arme violette, hein, mais il a que l'arme violette quoi. Et il a l'étendard de la lume funeste de Snarkchick. Qui donne des bonus aux gobelins. Pourquoi pas. Revenus provenant du pillage des colonies, on prend. Et les pillages post-bataille, on prend aussi. Voilà, très très bien. De toute façon, lui, je pense qu'il ira venger, se venger du réclan à terme. Est-ce qu'on irait pas piller un peu? Non, faut qu'on attende d'avoir. On va commencer à se diriger vers le bas quand même. Mais faut que on attende nos deux trolls là. C'est important. Il y a moins de descente ici? Non, il n'y a pas moins de descente ici. Non, c'est fermé là par contre, on est d'accord. Donc on va tenir les deux extrémités là. On va aller se faire le pic fétide. Les petites saloperies Skaven. Un petit tour des bâtiments de recrutement, pourquoi pas. Voilà, hop, on construit 3 bâtiments et on crame 15 000 balles. Parce qu'on a des vieux malus. Donc il paraît que les marchemontes se sont fait défoncer la tronche. Parce que j'ai vu de la comparaison des puissances des forces. Hein. Ah, ils se sont fait dépouiller, on dirait. C'est relou ça. Du coup le chaos il donne quoi? Parce qu'ils sont. Guerriers du chaos. Ah on les connaît pas. On les connaît pas du tout. On sait qu'ils existent mais on les connaît pas. Ils sont potes avec les Marchemondes, ils sont pas en guerre contre les Marchemondes, tiens. C'est vrai qu'ils étaient en guerre contre les. Contre les mecs du chaos aussi. Enfin, contre les. Je sais plus les mecs du Nord, là, je sais plus comment ils s'appellent. Les Norska, voilà. La Norska. Norska. Ah, ils ont l'air d'être dans le mal, hein. Ah, ils se font défoncer par les défenseurs du Grand Dessein.
Ils sont en guerre contre les elfes aussi. Ouais, ok, ils sont un peu dépouillés. Très bien. Très bien, très bien. Et ben du coup on va arrêter l'épisode sur ces dernières batailles. La prochaine fois je pense qu'on va terminer Eten. Et probablement pas que eux. Qu'à un moment il va falloir que les elfes admettent leur défaite. Hein, tout simplement. Ce serait mieux pour eux. Ouais bah c'est pareil pour Sundenborough d'ailleurs. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé, on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous. Salut.